Bonjour à toutes et à tous, on espère que vous allez bien. Pour notre part, ça va très bien. Ça va bien, ça va même super. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre émission 2020, l'année pour la Terre. Une émission qu'on avait malheureusement dû arrêter à cause du confinement il y a quelques mois. Mais aujourd'hui, nous reprenons avec le deuxième épisode consacré au nettoyage de nos côtes littorales. Nous sommes au nord de La Rochelle, à Énorde, un petit village situé à une quinzaine de kilomètres de La Rochelle, pour réaliser cette vidéo. Bon visionnage à toutes et à tous. À très vite pour de nouvelles aventures. C'est parti! Pour nettoyer les plages, il vous suffira simplement de vous munir d'un ensemble de sacs poubelles et d'une paire de gants. Vous êtes prêts? Alors on y va. Voilà tout ce qu'on peut trouver en une demi-heure de vidéo. En une demi-heure. Voici tout ce que nous avons récupéré en près de 2 heures de recherche, un total de 6 sacs poubelles remplis uniquement de déchets plastiques et de pêche que nous allons tout de suite aller jeter dans des bacs à marée spéciaux, spécialement conçus pour jeter ce type de déchets. Maintenant, c'est à vous de jouer pour que nos plages ne ressemblent plus à des poubelles, mais à un vrai lieu de vie magnifique tel que ce décor que vous apercevez de la plage où nous étions la veille même du nettoyage. La plage ne doit plus être un lieu de déchets, mais un lieu de galets. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Bien évidemment, abonnez-vous et surtout partagez cette vidéo pour faire évoluer les choses. C'était le petit Rochelet. À très vite pour de toutes nouvelles aventures.